Bonjour à tous, c'est Iseu des bibliothèques d'Auderghem. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et après les fleurs, j'ai décidé qu'on ferait des petits papillons. Comme ceci. Alors, pour ce pliage, c'est assez simple. Vous aurez besoin d'un carré de plus ou moins 10 cm sur 10 cm. Moi, là, j'ai pris 14 sur 14, comme ça, c'est plus grand pour vous montrer. Donc, on va commencer par faire les diagonales du carré. Donc, on va remonter la pointe vers celle du haut, la pointe du bas vers celle du haut. Comme ceci. On rouvre. On fait pareil de l'autre côté. Donc, pointe du bas vers pointe du haut. Voilà, comme ceci, on marque bien les plis. On va de nouveau ouvrir et on va faire les médianes. Donc le bord du bas vers le bord du haut. Comme ceci. On ouvre de nouveau et on tourne la feuille et on va mettre le bord du bas de nouveau vers le bord du haut. Comme ceci. Voilà, vous allez nouveau ouvrir et vous allez obtenir une série de plis comme ceci. Vous allez en refermer sur une des médianes et vous allez ici, je ne sais pas si vous voyez, mais dans les plis il y a un triangle. Donc vous allez devoir obtenir ce triangle en rabattant les plis côté vers l'intérieur. Je sais pas si vous voyez, hop, comme ceci. Et pareil de l'autre côté. Voilà, comme ça. Et vous obtenez votre triangle. Vous allez fermer ce triangle encore en deux. Voilà, comme ceci. Vous marquez bien les plis de nouveau. Et alors au niveau du coin qui est ouvert, donc celui-ci, celui où vous avez toutes les couches de feuilles, vous allez prendre une paire de ciseaux et vous allez faire un arrondi à ce niveau. Hop. Voilà. Une fois que vous avez coupé, vous allez rouvrir sur le milieu en deux. Je vais voir si c'est bien là. Vous allez venir rabattre cette épaisseur-ci vers le dessus. Pareil, ici, on a deux couches de papier. On le rabat vers le dessus, sur la ligne du milieu. On plie bien. Alors une fois qu'on a ceci, on va retourner la forme pour avoir la base du triangle vers le haut. On va ramener la pointe vers l'arrière de manière à ce qu'elle remonte vers le haut. Comme ceci. Vous voyez? Voilà, comme ceci. Et vous allez plier de manière à ce que le tout tienne. Voilà. Puis, vous allez plier en deux votre papillon. Bien marquer le pli. Et voilà, vous obtenez votre petit papillon. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur la page Facebook ou à nous poster vos réalisations. À la prochaine!